Yeah, j'espère que vous allez bien tout le monde. En tout cas, moi, ça va très bien. Ça va très bien. Il y a juste que ça fait un petit temps maintenant que je n'ai plus sorti de vidéo. Et là, je suis en train de me creuser les méninges pour vous trouver un sujet intéressant. Mais je ne trouve pas. Je cherche, mais je ne trouve pas. Et mais viens un peu ici, toi. Ça y est, je l'ai le sujet de ma prochaine vidéo grâce à cette petite clé USB. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette clé USB? Eh bien, cette clé USB, c'est une clé USB qui a été spécialement conçue pour pouvoir reconditionner n'importe quelle machine en moins de 5 minutes, chrono en main. Vous ne me croyez pas? Bon, il me faut une machine et ça tombe bien, j'en ai une là. Cette machine va faire l'affaire. Chrono en main, en moins de 5 minutes, je reconditionne cette machine grâce à cette clé. Allez, pari tenu. Je pense que c'est bon. Nous avons une tour, donc le desktop, nous avons un clavier, nous avons une souris et nous avons un écran. Je pense que l'on va pouvoir y aller. Mais avant, on met sous tension. Vous allez voir comme c'est simple. Donc, on prend la clé USB. Voilà, on l'introduit dans un port USB dans le bon sens de préférence. On met la machine sous tension. Moi, je vais utiliser la touche de raccourci F8 pour directement avoir accès au boot menu. Voilà, nous arrivons sur cet écran. Cet écran liste en fait tous les périphériques qui peuvent être utilisés pour démarrer la machine. Et on y retrouve quoi dans cette liste? On y retrouve notre chère clé USB qui est présente sur l'entrée 5 et l'entrée 6. C'est quoi la différence entre les deux entrées? L'entrée 5 va me permettre de réaliser une installation de type BIOS, Legacy, et l'entrée 6 va me permettre de réaliser une installation de type UEFI, bien entendu, si la machine le permet. Ici, la machine le permet. Je peux réaliser les deux types d'installations. OK? Alors, c'est parti. On y va. Je vais réaliser une installation de type Legacy, donc de type BIOS. Alors, on va attendre l'écran suivant, l'écran du menu grub. Regardez ce qui est mis. Clé de réemploi et Mabuntu. Oui, alors. Je vais donner un petit peu d'infos, mais pas trop. Alors, ce type de clé va vous permettre de remettre en service, de reconditionner beaucoup de machines. Ben, quasi toutes les machines. Je m'explique. Vous allez pouvoir reconditionner des machines qui n'ont pas l'UEFI. Donc, bien entendu, des machines qui ont l'UEFI, des machines qui ont un disque, des machines qui ont plusieurs disques. OK? Peu importe le type de machine, que ce soit des machines laptop, desktop, vous allez pouvoir les reconditionner. Alors, c'est une série, il y a plusieurs scripts. Je vais pas vous détailler comment ça va. Allez, non, je vais pas vous détailler comment ça va maintenant. Mais en gros, ce sont des scripts qui prennent en charge l'installation de manière automatique. Des questions vont vous être posées. Vous allez voir, c'est génial. Allez, on lance. Voilà, alors, première question. Oui, parce que le script, hein, le ou les scripts, ils vous posent des questions. Le ou les scripts, ils sont intelligents. Oui. Regardez, ici, cette machine dispose de deux disques. Eh bien, la première question, c'est sur quel disque voulez-vous réaliser cette installation? Eh bien, moi, je vais réaliser donc mon installation sur le disque numéro 2. Donc, qui est le disque SDA. Donc, ne pas oublier d'allumer NumLock 2, Enter. Ensuite, le script est malin, il est intelligent. Il a détecté que sur cette clé, hein, il y avait deux clones, deux images d'installation de Mabuntu DE3. Donc, une image en 32 bits, une image en 64 bits, mais des images non EFI. Oui, le script, il est malin. Il sait que j'ai démarré la clé en mode Legacy, donc en mode non EFI. Donc, il ne me liste que les clones
qui peuvent être installées en mode legacy, en mode BIOS. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette clé, donc il y a en plus hein, une MADE3 64 bits UEFI. Eh bien, il ne me propose pas cette image à l'installation parce que je ne peux pas l'installer. Je n'ai pas demandé une installation de type UEFI. Allez, je vais installer les MADE3 architecture 64 bits. Touche 2, je valide avec Entry Winter. Attention, le script, regardez, il est malin, il est intelligent. Il cause français le script. Voulez-vous partitionner le disque SDA? Toutes les données seront perdues. Oui, donc touche O, je confirme par Entry Winter. Et le script, il dit, ouais, mais attends. Est-ce qu'il a bien compris? Il me repose la question. Attention, voulez-vous partitionner le disque SDA? Toutes les données seront détruites. Et moi, je lui dis, mais oui, je veux bien. O, je valide par Entry Winter. Et là, c'est parti. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? 3 minutes, montre en main. Et attention. Regardez, 2 minutes, 2 minutes 43. Allez, on patiente. Alors, j'avais dit quoi, moi, 3 minutes? 2 minutes 36, installation terminée. Alors certains vont me dire, oui, mais moi aussi je peux faire en moins de 3 minutes, je peux réaliser une installation donc, en moins de 3 minutes. Ah oui, mais ici, il n'y a plus rien à faire. Regardez, on n'a pas eu d'installateur qui nous a demandé le nom complet, le nom d'utilisateur, le mot de passe, combien de quantité de swap, combien de quantité au niveau de la partition X4, tout est fait. C'est comme ça que l'on reconditionne des machines, c'est grâce à un clone hein, et grâce à une clé USB prévue justement pour travailler avec des clones, donc pour le reconditionnement de machines. Et voilà, installation terminée. Le mot de passe ne m'est pas demandé puisque voilà, c'est un clone. Un clone, c'est une image d'une installation qui a été personnalisé. Le mot, il y a quand même un mot de passe, ok, mais là on utilise une connexion automatique à la session. Le mot de passe de tous les clones Mabuntu est Avenir. A-V-E-N-I-R. Alors ici, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer, grâce à l'utilitaire de disque Gnome, que j'ai bien réalisé une installation de type Legacy. On peut voir que le script, il est malin, le script, enfin, le ou les scripts, ils sont malins, ils sont intelligents. Pourquoi? Parce que il sait que dans cette machine, il y a 4 gigas de RAM, eh bien, il a créé une partition swap d'une quantité de 8 gigas. Quantité swap qui est le double de la quantité de RAM. Et il a utilisé le reste du disque pour la partition EXT4. Voilà. C'est génial, non? Allez, si on testait une installation en mode UEFI. Allez, soyons fous! La différence, ça va être quoi? Mais il n'y en a pas. Il y a juste que je n'aurai pas la fameuse question du choix du clone à installer. Pourquoi? Parce que sur cette clé USB, rappelez-vous, j'ai 3 clones. Un clone architecture 32 des Mabuntu DE3, un clone architecture 64 des Mabuntu DE3 et un clone architecture 64 UEFI des Mabuntu DE3. Vu que je demande une installation de type UEFI et que de toute façon il n'y a qu'un clone de type UEFI sur cette clé, bien le choix est vite fait. C'est d'office ce clone-là, cette image-là qui va être utilisée pour cette installation. Voilà, choix du disque comme tantôt. Donc je vais utiliser le disque SDA, donc touche 1. Et là, voilà, il me dit qu'il a trouvé donc un clone de type UEFI. Donc il n'y a pas de choix de clone, il me dit voilà, j'ai trouvé ce clone là et il me propose directement
Attention, voulez-vous partitionner le disque, donc SD1, toutes les données seront détruites. Touche O, je valide pour entrer ou Enter. Même question, c'est de la précaution. Donc touche O, je valide pour entrer ou Enter, et l'installation démarre. Et là, on réalise une installation de type UEFI. Alors attention. Allez, moins de 3 minutes, moi je vous le dis. Splendide, 2 minutes 40, installation terminée. Que va-t-on faire? On va juste vérifier, grâce à l'utilitaire de disque GNOME, que l'on a bien réalisé une installation de type UEFI. Et c'est bien le cas. Cool. Alors, et là vous vous dites, c'est génial, c'est franchement génial. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir faire la même chose? Mais il vous faudra une clé pour ça. Et j'ai bien envie de vous montrer comment réaliser ce genre de clé. Mais pas aujourd'hui. Non, allez, je vous donne rendez-vous début septembre. Et je vous donne rendez-vous sur Blabla Linux. Ou alors, vous pouvez aller voir chez Mabuntu. Ou alors, même chez Debian Facile. Il n'y a pas de souci. Restez connectés. Bientôt, vous saurez comment créer ce genre de clé. Allez,